Bon les amis, aujourd'hui petit vlog. Ben voilà, je devais vous faire plusieurs vlogs, notamment celui-là. Le problème c'est que les autres, genre à chaque fois j'oublie de filmer une grosse partie et ça ratait tout. Désolé, je suis ok. Du coup là, vendredi, je me suis dit j'ai oublié de tout filmer. Parce que voilà. En fait, genre vendredi, si on va aller à la patinoire, peut-être que je vais me faire coiffer. Bon, sur ça, il y a eu des disputes, hein, des problèmes. Voilà. Mais bon. Passons. Bref. Du coup, voilà. N'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça, machin, tu connais. Et puis, du coiffeur et c'est magique. Moi j'ai pas eu mon téléphone de tout le coiffeur, mais regardez moi ça, il a des ça le coiffeur. En plus il m'a arrangé mes petites mèches qui étaient un peu cassées. Ah, il a des ça, wesh. Ah, j'adore. Oh, de mon cœur ne t'a pas suffi. Maman, si je m'en vais. Franchement il a des ça. C'est trop beau. Je suis contente. Bon, c'est très joli tout ça, mais du coup on se retrouve là, je vais aller dans la voiture, on se retrouve à la patinoire. Ah ça aussi ça va être trop bien, je suis trop contente de cette journée. Mais franchement, il a la tête ça putain. Je trouve ça vite super beau. Surtout genre il a pas utilisé les le pen, il a coupé avec les cheveux juste comme ça avec ses mains. Genre et en plus c'est droit. C'est parfait. On se retrouve à la patinoire. Je rentre de patinoire. Bon là c'est, on est dans le noir, mais vu que je suis branchée en fait, je suis obligée de rester dans la chambre. J'ai passé une heure et demie à faire la queue, même voire plus, deux heures. Donc point négatif. Après on est arrivé. Bon, il fallait refaire encore une queue, bon plus petite, mais encore une queue assez longue pour prendre les billets. Puis après on est passé, donc on a pris les bâtons, tout ça, bâtons coffins. Puis après en fait je regarde que quand j'ai voulu vous filmer, et ben en fait j'avais 1%. Voilà, du coup ben là j'ai toujours 1%. Du coup j'ai pas pu vous filmer parce que je savais que ça allait pas tenir. Du coup je vous ai pas filmé. Bon, pendant une petite heure voilà, j'ai bien patiné, éclaté, je suis d'ailleurs crevée pour m'habiller pour ce soir. Nouvel an. Ah, d'ailleurs, il y aura une vidéo, pas dans la mais pas dans celle du vlog, mais il y aura une vidéo avec Lola. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais il y aura une vidéo avec Lola. Ma cousine, je crois, contente. C'est moi qui ai supplié ma mamie pour l'inviter pour vous. Voilà. Donc, il y aura une vidéo avec elle. Peut-être qu'on fera un 24 heures menotté challenge, ou non, une soirée menotté challenge. Parce que je sais pas si elle peut dormir à la maison. On verra. J'adore toujours ma coupe. Ah oui, et sur les 5 dernières minutes que je pouvais encore patiner et m'éclater. Ah ben en fait j'ai vu que j'avais déjà remarqué que en fait les patins que je ne pouvais pas échanger, les patins qu'ils m'ont donné, en fait il y avait une barre de fer qui faisait très mal. Mais c'est pas grave, je patinais quand même. Et en fait au bout des dernières, les 5 minutes qui me restaient, mais en fait ça m'a soulevé un bout de peau comme ça, et en fait ça fait trop mal, et ça m'a brûlé, j'arrive même pas à marcher tellement j'ai mis 2 pansements, je sais pas si vous voyez, bref j'ai mis 2 pansements, j'ai grave mal. Bon là je vais aller m'habiller, je vais mettre ma pépite. Ah, je la mets tout le temps quand elle est défaite et tout. C'est ma petite jupe short de chez Zara. À mourir, à tomber. Pour les cheveux, j'avais envie de les boucler, mais en fait, je me suis dit, vu que j'ai le brushing, pourquoi l'abîmer. Donc, autant garder, je me bouclerai les cheveux la prochaine fois. Bon, je vais aller m'habiller et puis on se retrouve pour le make-up. Qui rentre tout dans la fameuse salle de bain. Ok, du coup on se retrouve dans la fameuse salle de bain.
Moi, je parle comme ça. Je suis habillée. Du coup, pour la coiffure. Alors, j'ai peur que ma soeur me tue. J'avais envie d'utiliser sa brosse, vous savez. Genre, pour lisser et tout. Mais en vrai, j'ai déjà le brushing, donc en fait, je m'en fiche un peu. Moi, je vais prendre un peigne avec le démêlant de lisse. Et on va se... Et on dépêche. En fait, ils sont tellement rendus courts. Genre, pour moi, le peigne, je faisais ça. Attendez. C'est pas possible. Ok. J'ai peigné de tous les côtés. Et je sais pas si j'ai utilisé genre mes mèches. On les a arrangées parce que genre, elles étaient épaisses et tout. Genre là, elles sont plus fines, elles sont grave belles. Je vais toujours faire mon petit mouvement. Et j'ai tout ça. Vous croyez pas, mais ça se cache, mais j'ai beaucoup d'épaisseur. Franchement, j'ai jamais eu genre les cheveux. Genre, je passe ma main, y'a rien. Tu vois, genre, t'as mis. Jamais. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai jamais peigné. C'est la première fois. Genre, parce que j'ai jamais les cheveux lisses, moi. Du coup, je peux jamais peigner. J'adore mes cheveux. En vrai, ils sont pas hyper courts. Ça va. Ma mère est partie. Elle a dû aller jeter pour elle. Ma soeur, elle a une autre la même, mais c'est pas la même teinte. J'ai envie d'essayer pour voir si c'est ma teinte. Ah oui. En plus, elle en a moins et une fois que moi. Moi, j'ai carrément un trou au milieu, elle s'est remplie. Non, ah, c'est trop marrant. Je sais pas comment elle fait pour se mettre ça. Pourtant, elle a pas la bonne teinte, elle aussi. Vas-y, prends des trucs de ma mère. Ça, je crois que c'est pour le fond de teint. Mais elle n'utilise pas de fond de teint comme moi et ma soeur. J'avais jamais eu de grand pinceau pour fond de teint, ça c'est trop bien. Là, tu vois, hyper bien. Si t'es pressée, c'est trop bien. On va maintenant me mettre le fond de teint. Je vais faire vite parce que ma mamie elle va bien, elle va pas tarder. J'ai trop hâte que ma cousine arrive. On va faire plein de vidéos. Bon, bien sûr, les vidéos ne sera pas encore, je le répète, dans ce vlog. Je vous la présenterai peut-être dans le vlog aussi, mais il y aura plus de vidéos hors du vlog. Si vous voulez savoir ce que je regarde, ici il y a un miroir aussi, donc on colle sur ça. Ah, il y a un signe qui est tombé. Attendez, ça veut pas faire un plan. Je fais pour vous. Continuons. Oula. Peut-être forcé. Histoire de illuminer le regard. Waouh! Mais regardez! Moi je n'utilise que mon poil et ma soeur tranquille. Toi bien. Je vais bien voir ma belle.
En plus, il y a les palettes de ma mère. Elles sont peut-être défoncées, mais alors qu'est-ce qu'elles sont belles, maman. Oh, il y en a une, elle m'a donné. Elle est une tonne de couleurs. Peut-être qu'on va l'utiliser ce soir. Ok, pour le fond de teint, c'est beau. À chaque fois que je mets sur les yeux, genre ça se voit que j'ai le fond de teint. Je vais aller chercher la palette, elle est dans ma chambre. Ok, de retour, la palette elle est là. Je vous la montre. Bon, bien sûr, connaissant ma mère, il y a plein de trucs qui est cassé. Mais il y a plein de couleurs et en plus elle est hyper pigmentée. C'est la marque Revolution. Et putain, mais j'adore la voiture. Désolée si j'utilise des mots, vous avez capté. Sans faire exprès, mais c'est un réflexe. Donc, excuse me s'il y a des petits de 2 ans qui regardent. Ce n'est pas ma faute. Je me peigne encore les cheveux parce que là, en fait, j'ai un truc. C'est hyper bizarre. Je sais pas ce que c'est, genre ça remonte. Bon. Chez moi, je peux utiliser la ferme à l'air aussi. Ça a une brume parfumée pêche. Elle sent trop bon. Oula. J'ai appuyé trop fort. Là, j'en ai dans la bouche. Alors, là, je préfère mettre ça. Bien sûr, au bout, ça bloque toujours. Hein, mais... D'ailleurs, je sais pas si vous, ça bloque pas, mais moi, ça bloque toujours. J'avais les cheveux longs ou pas, mais... Surtout, je trouve, quand t'as les cheveux courts, parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà les cheveux très très longs quand j'étais petite. Si je les avais pas coupés, ils seraient ici, si je les avais pas coupés. Et en fait, je les avais coupés à cette longueur. Donc du coup je connais déjà un peu et je sais que ça me va bien, mais avec les mèches j'avais jamais testé, c'est encore plus beau. On va passer à la suite. Bon, bah pourquoi pas commencer avec du bleu. Je sais que Kylie, je vais en mettre un petit peu parce que je sens que ça va être... Ouais, je l'ai jamais utilisé ou quoi. C'est ça, voilà, normalement. Je crois que c'est du bronzer. Hein. Ouais, bronzer. Toujours un peu d'à côté. Ça fait du bruit, mais pas d'à côté. Le bronzer, j'en ai jamais mis, donc j'ai pas trop ça se fait. Je vais en mettre là. Un petit peu là. Ici. Alors, je suis très léger. Je pense que c'est bon. Je crois qu'il y en a un peu beaucoup. Je suis pas l'air de jamais vu me rendre, ça va. Ok. Ouais, c'est quoi? Mascara, c'est blanc. Sans mascara blanc. Ah non, mince, dommage, j'aurais préféré. Je me serais mis du mascara blanc. Ça existe d'ailleurs. Je sais pas si ça existe. Dis-moi. Oh, le truc pour les cils, j'ai trop envie de tester. Attendez. Ah, là, j'ai peur. Ça fait rire. Bon, après, comme j'ai dit, j'ai déjà les cils longs. Les cils, ça va, mais à la place on va, à la place du rimmel, on va mettre ça. Donc. Ah mais je crois qu'il faut mettre du rimmel pour le faire justement. Non, on va mettre du rimmel, mais pas maintenant. Après, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai déjà plus d'idées. Oui.
peux pas ne voir l'aligner et pas tester. Moi qui cherche à chaque fois des aligners dans les boutiques et tout. Ah, je suis trop contente. Par contre, si tiens, je suis morte. Alors, je dois bien le faire. Je vais le faire mon tout petit. Mais c'est trop épais, c'est pas fin. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Parce que j'avais jamais mis d'aligner en vrai. J'avais toujours fait avec du fard à paupières ou des clients. J'avais jamais mis d'aligner. J'ai raté cet œil. Mince. Il faut que je le refasse à droite. Bon, en vrai, non, je vais là. Je crois que j'ai pas de démaquillant. Attendez. Il est où le démaquillant? Oh, s'il n'y en a pas, je suis morte. Pour de vrai. Attendez, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de démaquillant. On va essayer comme ça, de loin. Oh, oh non, je fais carnage. Oh putain. Oh, s'il n'y a pas des maquillants, là, je suis morte. Oh. Attendez, mais il n'y a pas des maquillants. Oh. Attendez, on va avoir un problème. Quoi? On va en mettre de l'eau. On va prendre un peu de savon. Donc ça marche. Oh oui. Oui, ça marche. J'ai trop peur. Bon, j'ai toujours l'œil un peu noir, mais je crois que je vais mettre encore un peu de fond de teint. J'ai trop peur. Le premier, il est bien fait. Je vous le dis, je réussis tout le temps l'œil comme ça, mais les autres, je ne réussis jamais. On va retenter parce que je vais pas rester avec un œil oui, un œil non. Alors, c'était pas ce que c'est arrivé, du coup, j'ai toujours pas fait mon. Attendez, j'ai une idée. Ouais, ça va, j'aime bien, j'ai fait un petit trait. Une autre fois, je ferais vraiment un grand trait et tout. Genre, j'ai essayé, mais là, j'aime pas trop beaucoup me maquiller quand je suis en famille. Genre, j'ai honte, on va dire. Pourtant, ils le savent que je me maquille. Je sais pas. En fait, je pourrais faire des bêtes de make-up, des dégradés et tout. Ça, faut le faire juste comme ça, genre, juste pour tester. Et je l'ai déjà fait. Bref, on va ranger ça la première fois. Un petit bout de pilon, pas d'en mettre un plus. Et en fait, je sais pas quoi faire sur les yeux parce qu'en fait, genre, je sais pas, je trouve plus trop de choses. J'ai trouvé un pinceau, déjà un pinceau sec. Ah, oui, le blush. Ouh, ça tombe bien. Une tonne de blush. Genre, elle a déjà fini un truc. Mais ça, normalement, ça a l'air fini, non? Vraiment, je suis pas calée en la matière. Attendez. J'avais ma mère avec moi, je pouvais pas filmer. En fait, je vous explique. Ici, en fait, finalement, je l'avais trop bien fait. Et en fait, ici, quand j'ai voulu rattraper un petit peu, ben en fait, ça a complètement gâché. J'ai effacé, ça a encore gâché. J'ai vraiment. Moi, j'ai pas réussi. Du coup, ben, j'ai tout enlevé. Dommage, il était bravo. Du coup, voilà les yeux.
J'ai mis un peu de masque, enfin j'ai fait le truc des cils là. Et là je vais mettre le coup. Bon. Vous voyez pas vous, mais moi je vois. Un petit peu. Le défi qui court à la base. Voilà, on se retrouve dans la voiture. J'espère que ma cousine est déjà arrivée. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de la voir. Ça y est, je suis arrivée chez moi. Enfin, chez ma grand-mère. Je vous l'ai déjà dit, c'est comme un deuxième chez moi. Du coup, ben, j'attends ma cousine. Ok, du coup, je suis avec ma cousine. Elle s'appelle Lola. Ouais. Et je vais mettre fin à son vlog parce qu'on va faire d'autres vidéos. Donc vous la verrez sur d'autres vidéos. Voilà. Enchantée. Donc bisous.